Et li pa tout à fait gen même pathologie avec un autre et ça vient nous permettre encore tout que choix médicament et tout pas venir un bagage qui est assez facile que pour nous pour faire comme ça et ça qui fait que nous obligé nos obligations que gagne un autre professionnel de santé qui sont pharmaciens qui pour réguler qui pour permettre que y ont bonne utilisation bonne dispensation de médicaments au sein de institutions médicaux. Et tant que nous sommes capables de dire, c'est vrai que au début, les pharmaciens ont commencé avec des apothicaires. Les apothicaires, c'est des gens qui ont juste des préparations qui a fait, ou bien juste ont des ventes et de produits qui a fait. Mais de nos jours, c'est tout à fait une science et tout à fait un art et que lié de nos jours, c'est que qui pour permettre que une bonne dispensation de médicaments, qui vous permettent que patient qui a pour recevoir médicament que le recevoir médicament qui a permettre que lui traiter problème donné vraiment que le gagne. OK, sans pour autant aller à l'encontre, sans pour autant aller faire un dommage vraiment au lieu que nous jeune des aspects bénéfiques et que nous jeune des aspects ou que vous n'avez des aspects plutôt négatifs. Alors tout au cours de l'émission, nous allons essayer de parler de ça, comment que un médicament c'est un couteau de bouclier et un épée à double tranchant. Mm-hmm. Et il capable aussi faire bien et capable aussi faire mal. On va continuer sur le dossier médicament. Donnons une définition même de médicament. OK. Médicament tout d'abord et selon le code de la santé publique, tout d'abord, c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant les administrer en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou de modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. En gros, nous capable considérer toute substance ou bien tout produit que on est capable ingérer et dans col et qui capable permettre que les joints soit pour traiter une maladie, soit pour prévenir une maladie, soit pour faire un changement physiologique la caille. Donc par exemple un bodybuilder qui peut faire un changement physiologique la kali ou bien qui peut permettre que restaurer certaines choses. Il y a plusieurs médicaments curatifs, médicaments préventifs et médicaments aussi substitutifs. C'est tout ensemble de médicaments ça. Mais juste avant que nous allions tout plus loin dans médicaments, nous t'aimer même rappeler nous que avant un médicament est considéré comme un poison. Et ça qui fait différence de un médicament à un poison, c'est la dose. OK, ça qui fait que moi-même qu'a dit ça, moi prends ça et que il y a traité problème que moi gagne, c'est pas nulle autre chose, c'est tout simplement c'est quantité que me prend, c'est dose que me prend. Après ça, au-delà de dose que me prend, m'capable tout vite tomber à ça que me décarrer un poison qui vous tue. Et donc par exemple, même l'eau gon dose de toxicité. Par exemple, l'eau que n'habite pas, c'est qu'une cap dit bon voilà et peut-être mais l'eau qui a une dose de toxicité et dose de toxicité que le gars comme il est assez haut et comme étant donné que il dépasse plus que 2 à 3 gallons, c'est ça qui fait que moun pas habitué bre de l'eau que au mourir. Mais le dem même l'eau et on déjà dit toute substance dans la nature, c'est que à une certaine dose il létal, à une certaine dose il toxique et qu'il ca tuer. C'est-à-dire si que nous-mêmes nous pas, si que ou même l'on fait administration et que ou pas décider respecter dosage là pour que joigne effet bénéfique qu'on cherche là, c'est que ou pas tout à fait tomber sous ça une décarrelé et un poison. Dès m'a prend un bail qui très simple et si n'a prend insuline je dis qu'a qu'a baisser sucre, mais à partir de 1 cc me pensais que la très très difficile pour un monde qui t'apprend 1 cc d'insuline pour que il t'a toujours en vie. À moins que tu aies de grandes et systèmes qui vous permettent que le monde soit toujours en vie. Si je bien comprends, la baisser non niveau trop bas et niveau. Oui, c'est que pas gagner une substance, pas gagner un bagaille dans la nature qu'on prend qui pas catio. C'est tout simplement la quantité qu'on prend qui soit dosage. Oui, soit qui bénéfique pour ou bien tout qui capture.
Par exemple, il y a plein de médicaments qui fait à partir de venin de serpent. Mais pourtant, venin de serpent, yo, c'est que comment il agit, c'est une fois c'est une paralysie qui a causé dans organe vitaux qui permettent que yo aime réagir comme ça et plutôt que qui viennent bail et fait ça. Et ça qui fait depuis en l'an 15 ou bien 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est que tu étais commencé à analyser pour voir qui possibilité gagne par rapport avec poison ça, comment qu'on capable traiter problème donné par nous. Tout ça c'est juste en fonction de quantité dosage là. C'est que même à partir de venin de serpent ça, nous venons habitué gagne des séries de médicaments vraiment qui arrivaient pour des solutions avec des problèmes que nous gagnons. Mais pas oublier, auparavant, il y était poison. OK? On regarde l'origine basique du médicament. Et je dis à quelqu'un qui dit, je ne prends pas un médicament chimique, c'est non naturel, là, ma priorité. Est-ce que il y a des médicaments qui ont des origines 100% naturel ou du moins est-ce qu'il y a des médicaments tout qui tirent origine et qui 100% chimique. Tu as posé question. Oui. Et gain tous les deux. Gain tous les deux, il me passé au cours de émission là qu'on a essayé parler de lui encore plus. Gain tous les deux. Et gain même beaucoup plus que ça. Gain qui dérivé de animal. Gain qui dérivé de animal, gain qui dérivé de plantes. Gain qui dérivé de structures chimiques tout de produits chimiques gain tout ensemble de produits ça oui gain qui dérivé de produits et de plantes par exemple aspirine ni une belle histoire et que me toujours me raconter et c'était un mambo qui était gain en rivière bon la caille couke mon vini pour fièvre et puis tout l'un d'aller là dans rivière bay mon bread loi et puis tout mon yo toujours guéri. Et mon yo toujours guéri. Mais si on a après un bon temps à venir remarquer, il y a une plante sauge qui a été fait dans la rivière. Si on a après, on va venir comprendre que ce n'est pas mambo qui est plus fort que ça, mais c'était feuille sauge là qui t'a déversé là-dedans et qui t'a déversé là-dedans, qui t'a pris le bail, ça qui t'a brûlé et ça qui n'est pas brûlé et propriété antifébrile ou bien antipyrétique que l'eau ça a été gagné. Et bien fait sur ça pas traité là, c'est lui même je dis à que nous vinn gagner son aspirine que nous te connais comme moyennes qui traite la pour douleur et tout ça, même si c'est vrai je dis qu'il pas utilisé pour fièvre à cause de parce que pas oublier que n'a du coin que pas gagné pas poison. À cause que aspirine gain effet trop sur l'estomac non trop sur l'estomac estomac patient yo vinn pas trop utiliser encore pour fièvre ou pour plus utiliser comme agrégant plaquettaire ou bien anti agrégant plaquettaire et plutôt à 81 mg grand monde longtemps assurément a toujours dû te connait aspirine 325 mg mais de nos jours qui vraiment rare pour monde d'argent aspirine 325 mg mais plutôt quoi bien aspirine 81 mg ou bien quelquefois 100 mg et c'était tellement vrai que de tellement utiliser aspirine on voit que grand pile monde qui toujours a dit qu'on aspirine bébé qui c'est aspirine à 100 mg ça veut dire que effectivement aspirine c'est un médicament me connaît qui a une belle histoire en ce sens qui passait des mains en mambo et ceci que qui gagne en origine vraiment de et à partir de plantes et qui vini jeudi à encore tout bien toujours utilisé d'ailleurs il a commencé pour une pathologie et jusqu'à maintenant qu'a utilisé pour d'autres pathologies comme un anti-agrégant plaquettaire et par contre est-ce que on t'a essayé ouais là-dedans ouais on aspect là-dedans comme ça c'est que si un médicament que connaissez pour fièvre à une certaine dose et jeudi à qu'a utilisé comme anti-agrégant plaquettaire c'est un aspect pour nous faire ressentir comment est-ce que tout ça qu'on utilise, toute substance nette, c'est un poison. Toute substance qu'on utilise, toute substance qu'on consomme, c'est que si pas qu'on connaissance adéquate là-dedans, l'utilisation, il est capable de causer plus de problèmes. On peut le cas que longtemps que monde a consommé aspirine et que monde ça te gagne déjà des déficits en vitamine K ou bien un déficit plaquettaire. Qu'on a monde ça pas connaissance gagne déficit plaquettaire là et que toujours consommer aspirine.
et voilà le cas que moun sa vin arrivé blessé. Moun sa vin arrivé blessé et là que le gardé sans pas jambe ka arrêté. Ou imaginons que moun sa qui font accident comment que li tout à fait face à la mort comme si que et non structure en Haïti qui difficile. Et tout à fait face à la mort non structure en Haïti qui difficile. Ça veut dire que c'est pour cela que médicament ou bien automédication c'est pas un bagage que yo conseille du tout pour que on monde fait. Mais c'est plutôt joindre un spécialiste, joindre à plusieurs spécialistes pour bien dire, et tant qu'un médecin et un pharmacien, qui vous permettent que vous capable de déterminer vraiment qui médicament vraiment que me doit prendre qui tout à fait convenable avec moi-même. Alors et oui, gain qui a parti de plantes et gain tout qui a parti d'animal. Par exemple, si m'a prend encore insuline, c'est dérivé de insuline de porc. Elle dit insuline de porc. Ça veut dire que insuline que n'a prend jeudi, c'est tout à fait dérivé de porc. Ça veut dire pas seulement gain origine animale, yo pas seulement gain origine végétale, yo gain origine chimique tout. Donc par exemple, en pile monde on prend savon soufré, c'est tout à fait un minéraux que utiliser et qui te compte utiliser longtemps pour douleur et tout ça. Et ça veut dire que yo gain plusieurs sources d'origine qui permettent que yo capable venir là tout disponible pour nous jeudi à qu'on a pu utiliser. Avant ça tu as parlé de dose médicaments parfois qui à partir de 2 ans et ou a besoin d'effet et à partir au-delà de 2 ans tout les cas tout non poison pour dis-nous comment yo doser et médicaments yo à partir de qui ça vous fait dosage jamais. Premièrement, c'est que avant que vous sortiez un médicament, même si vous avez venu avec ça plus tard, avant que vous sortiez un médicament, il y a une période d'étude qui est basée sur même presque entre 8 à 12 ans, selon de réglementation, selon de médicaments, entre 8 à 12 ans. C'est à partir de études ça, par exemple, vous faites une première étude sur souris. Sous souris, et vous regardez pour l'équivalent dose que vous avez sur souris là. Et qui permettent que yo cap déterminer dose létale. Dose létale là c'est dose à partir de lui-même que 50% d'un individu mourit. OK? À partir de 50% d'un individu mourit, ça veut dire qu'on est ça c'est dose létale là c'est dose à ne pas dépasser. OK? Et à partir de là que yo commencer par à partir des études ça yo commencer par déterminer et bien comparativement du poids souris avec poids moun et bien déterminer mais dose nous pas gain droit dépasser. Après ça encore tout on va faire des études sur des sujets sains. Après ça on va faire des études sur des sujets et sur des personnes et malades. Après ça encore tout on va faire des études des personnes malades. Après pour commencer par commercialiser, mais c'est tout à fait une étude qui dure plus passé 8 ans et 10 ans. OK. Nous constatons sur question dosage là, moi je pas faire même maladie avec un monde, mais par rapport à l'âge moins ou du moins par rapport avec l'autre maladie que me gagne, yo pas doser médicament pas même genre avec par l'autre monde. Est-ce que question pathologie a joué un rôle important dans question dosage? Oui, pathologie a joué un rôle assez important là-dedans. Et c'est pathologie qu'on gagne qui permet de déterminer ça. Par exemple, un bon clairance rénale qui pas tout à fait normal et ou pas le médicament à élimination rénale, c'est que ou déjà pral en face et à élimination rénale et que rien monde ça pas bon ou pas capable à balle même quantité médicament que si par exemple rien monde n'était bon. C'est-à-dire en termes obligé par recalculer dosage médicament voulu. Et en plus de ça, tout ça va dépendre de pathologie ou bien ça va dépendre de d'autres médicaments associés. Par exemple, un monde qui est asthmatique et médicament qu'il a pris pour permettre que qui déjà agit sous hypertension artérielle que gagne. C'est un type d'hypertension artérielle que le gagne parce que ce sont des alpha bloquants que on va utiliser le plus souvent ou bien certaines fois que vous allez utiliser la caïmona et qui tout déjà après jouer sous hypertension artérielle maintenant. Et bien si ça déjà va jouer sous hypertension artérielle maintenant, et bien en deuxième temps m'oblige à garder pour moi en quelque sorte l'autre médicament que m'a bali et qui quantité que m'a bali la donne. Et ça fait que dans qu'on a anti hypertension artérielle on voit que toujours gain des doses différentes 5 10 mg et ceci varie.
Et en plus de ça, tout ça peut arriver au début d'un traitement. Au début d'un traitement, c'est que vous toujours conseillé comme si vous commencez par dose plus bas. Par dose plus bas. Et puis tout va monter, va monter. Et puis tout un quatrième aspect encore, ça va dépendre de. Ça va dépendre de gens que patient adhère à traitement, gens qu'il comprend le traitement. Par exemple, un patient que ou dit pas consommer sel et que tout qui gétant gain des repas hyposodé, m'a dit m'a pas dit sans sel parce que même tout ça qu'on mange a bien sel là dedans quand même. Ça fait que c'est une fois qu'on pas besoin de rajouter sel. Gétant hyposodé. Et puis un autre thème que même patient ça ou t'a pas le balion diurétique. Un diurétique pendant que déjà hyposodé, ça dit que adhérence patient ça permettre à ce que il n'est pas obligé de consommer même quantité de médicaments comparativement avec un autre. Et si nous même capable arriver plus loin tout c'est que même au niveau des races aussi tout gain ça chinois et des médicaments que il prend peut-être cap plus adapté avec et puis tout des médicaments nous même tout en tant que noir c'est que nous même nous après que nous antigen et grand pile risque d'hypertension artérielle, je toujours dit bon, c'est à cause de temps dépassé dans bateau, c'est si c'est là, elle n'a venir de l'eau celle-là. Ça c'est une bagaille noire, il vraiment gagnon et il vraiment gagnon dépendance vraiment avec celle et puis tout qui causer en hypertension artérielle de ça. Ça veut dire même au niveau de race, même au niveau de couleur peau, c'est que un médicament qui va varier de un monde à l'autre. Et qui sont cardinaux de non générique médicament avec un nom commercial, qui différencie gain entre et là encore c'est une autre belle histoire et c'est une autre belle bataille monter en souris parce que premièrement c'est que pour un médicament gain non pour un médicament gain non c'est à partir premièrement c'est qui premier industrie qui te sortil qui premier industrie qui te sortil premier industrie qui te sortil là li gain un nom spécialité que le bali. Il y a une dénomination commune internationale que le Bali. OK? Parce que en pile nan moun ki fè retour philo Abdou, yo t'a parlé de dénomination commune de corps. Ça veut dire que tu fon façon quelque chose pour n'importe qui chimiste dans n'importe qui pays cap depuis le temps de tel bagay pour qu'il connaisse tel corps. Et même genre tout et médicament retour yo subi à ça. Et comme ça tout nous gen Viagra qui c'est sildenafil que Viagra que Pfizer était sorti. Mais les Pfizer absorbe Viagra les Pfizer absorbe sildenafil ils sortent tout non Viagra mais de nos jours c'est que sildenafil gon paquet bon lot non bandil titoro c'est là et ben qui ça il ça dit que moi même en tant que industrie pharmaceutique qu'a fait là si moi fais pas paracétamol moi gon non que m'balé moi gon non que m'balé. C'est ça les non génériques là? Non, ça m'aurait non spécialité. Ah, OK. Mais paracétamol là c'est non dénomination commune internationale. OK? Non dénomination ou bien non générique là. OK? Paracétamol là c'est lui qui non générique là. Mais en lettre médicament, en lettre que doit pour paracétamol là écrit pour que non spécialité que soit agence pharmaceutique la Balia ou bien industrie pharmaceutique la Balia. Mais en bas on peut le marquer paracétamol ou bien non générique médicament. Non générique médicament. La marquer on peut la sous-boîte là quel que soit le sirop, quel que soit le sirop ou bien comprimé ou bien quel que soit ça qu'il déya, on peut toujours gain deux noms. Yon nom que industrie à Bali, ça veut dire que en deux termes ça c'est non pas que le Bali que le bail non générique que le bail médicament générique ça et non générique là même ni toujours contrainte pour écrire si c'est paracétamol lié si c'est ibuprofène lié si c'est tant quantité lié et avec dosage ou bien concentration lié tout à fait prêt il tout à fait normal pour écrire ça veut dire que non dénomination non générique là c'est non que médicament ça a gagné dans quel que soit pays que il y a dans quel que soit industrie que il y a ça c'est non que générique médicament a gagné ça c'est non molécule là même ça c'est telle molécule pour identifier ces molécules ça même qui n'a telle non spécialité. OK. Excusez gagnon bagage que nous constater on doit arriver avec une prescription non pharmacie et n'a pas les amis auditeurs on a recevoir et pharmacien Horace Sevensky et sous danger question médicaments représentés dans pays dans monde là mais spécialement en Haïti
Oui, nous constatons que la bonne prescription en main, puis l'arrivée mon dans non pas gain seulement de même gain à peu près ou même gain équivalent. Est-ce que les conseils pour mon si toutefois qu'on prescription en main puis l'arrivée non pharmacie pour dire c'est équivalent au gain. On pense c'est un gros service cette fois que yon mon rend nous. Qu'est-ce que li connaît? Qu'est-ce que li connaît que li wè ça qu'au besoin et que le cas sujet ou yon lot. C'est un gros service qu'il rend. M'a pensé à doucement la donne. C'est que premièrement c'est que l'ovinement premièrement c'est que gen différents types de laboratoire. Alors, gen différents types de laboratoire, gen qui bon et gen qui mauvais. Gen qui bon et qui passable ben gen qui mauvais. Il faut pas ignorer de ça. Certaines fois ou qu'on a goûté et certaines fois connaissance ou fait avec et médicaments ou qu'on fait à partir de tel laboratoire. À partir de tel laboratoire, c'est à partir de lui-même qu'on fait connaissance avec médicaments. Mais certaines fois, moun nan li kon gen yon meilleur médicament, meilleur médicament nan sa commandé là qui disponible dans l'autre laboratoire et que lui-même comparativement li ta vle et de là-dessus et que ou même certaines fois que ou kon tout à fait réticent et si m ta prend par exemple et bon m'ba wale trop prendre exemple de médicament même si gen plusieurs et oui effectivement c'est un bagage qui possible et m'ba c'est un service parce que si moun nan capable rendre nou service ta pour le dire tel ba et qu'il capable un équivalent c'est parce qu'il gon connaissance quand même dans la matière. Parce que le minimum de connaissances dans la matière. Et si que li fait pour c'est que li gen un enjeu économique, li gen un grand enjeu économique là-dedans et li gen un grand enjeu économique là-dedans et li gen un grand enjeu thérapeutique là-dedans tout. Et si n'a pas un enjeu économique là, les par exemple grand médicament ça li pas disponible. OK. Si n'a prend paracétamol plus diclofenac. Paracétamol plus diclofenac et par exemple les laboratoires les agences qui disposent et pas et combinaison de paracétamol et diclofenac ça sous le marché là que lui même qui disposait en rupture c'est que ça causait en hausse et en montée de prix de produits là mais là par exemple pour le coton mon dit bien bon pas problème moins pas gagner tel bagaille moins pas gagner sodium à cause d'une rupture moins gagner l'autre qualité je pense que c'est un grand service qu'il rend nous parce que premièrement c'est que lui aménager pour chou deuxièmement lui permet qu'on continue traitement. Il va être continuer le traitement sans pour autant que ou camper sous lui et en d'autres termes tout lui permettre que tout ou faire d'autres connaissances avec d'autres avec et pour bien comprendre pathologie là tout et pour bien comprendre pathologie là oui effectivement c'est un et c'est un bagage qui est fait légal et qui permet vraiment là-dessus que il est capable de demander il est capable de suggérer vraiment pour que il fait changement. Yo fait changement là-dessus. Ça qui fait que me permet de comprendre pathologie. C'est un patient on l'est que n'a pas la veille, il dit moi-même non. Et odon c'est un médicament qui me prend la capacité de faire mal là. Même depuis me prend pas ça, pas ça pas ca faire moi. Mais odon l'aime prend odon et si je ne m'abuse pas et il dit pas de faire mal là. Même pas tolérer pas ça mol. Me dit waouh. Ça vraiment drôle. Il pas toléré paracétamol mais il tout à fait depuis il prend odon pour lui. Et là que mal regarder moi mais gain paracétamol dans odon. Si gain paracétamol dans odon et que dit pas ou allergie à paracétamol, ça dit que allergie qu'on gain à paracétamol là, il pas tout à fait vrai. C'est un aspect psychologique qu'on développe avec odon qui fait qu'on comprendre que et où l'opprend odon t'a fait mal la passé qui donc même t'a fait mal qu'on gagne qu'on a vite mettre dans la question est-ce qu'il est pas psychologique et que dame t'a fait bon temps tout pas jambe côté nous mais après tout dernièrement là m'était ba nos témoignages là oui effectivement j'ai l'autre monde qui dit le même problème dans tout effectivement de ça et c'est là que et c'est vrai c'est un problème qui est un peu psychologique et que qu'on a li penser que la essayer remédier à problème là oui et donc ma président encore oui effectivement li mande yon connaissance en la matière et si on moun ka arrive fè ça pou c'est que li remè pochou li remè santé ou et li ta remè aussi quoi le mieux.
Pour nous poser une question, ça, qui sont pensés de marketing qui qu'on a fait souvent dans bus, dans et trajet qui qu'on a fait et sur route et qu'on nous amène l'algue et arrivé dans machine et je n'en monde qui dit moi j'ai tel produit il est bon pour ceci il est bon pour cela pas besoin pour aller à l'hôpital à dépenser pile cob ça seulement des pour en cuillère à soir en cuillère et dans le matin. Pendant 7 jours, bon, qu'est-ce que vous pensez de marketing? Est-ce que c'est légal pour les fêtes? Premièrement, je voudrais que vous notiez deux aspects. Un aspect médical, un aspect face à médecin, et un aspect aussi face à médicament. Pas de monde qui est capable de dire que l'hôpital que médecin n'a pas fait un interrogatoire avec lui. Un interrogatoire avec lui. Et même aller quand on a fait interrogatoire avant même dans famille même dans comment qui est-ce que pas telle femme qui te fait telle femme qui te fait celle-là ça dit qu'il y a un interrogatoire qui permet que déterminer spécificité pathologie là désormais c'est pas une seule maladie mon nous fait et ceci même les monde t'a fait une seule maladie mais il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu par exemple ma pombaye si que m'gay on moun ki de on sportif on sportif les moi fréquence cardiaque li à 50 de m'te mande ou te kon fait sport longtemps ba ça oui m'te kon fait sport m'te sportif si que fréquence cardiaque li à 50 c'est que m'de commencer pas inquiéter m parce que effectivement moun ça il te kon activité physique qu'il t'a fait et que cœur a te pi bien fonctionné ça fait que normalement que moun ça pas obligé gagne en fréquence cardiaque assez élevé. Et prenons le cas que ou même qui pas jamais qu'on a fait sport ou bien par exemple ou c'était un monde comme si que qui était toujours prédit qui était toujours bagaille bon ça veut dire que il essaie des bagailles ou par exemple ou même qui était qu'on a mal nourri ça veut dire déjà deux monde ça pas même monde et prenons le cas que deux monde ça t'a présenté même pathologie mais c'est deux monde différents avec même pathologie qui donc là encore il y a un interrogatoire qui parle spécifique pour chaque monde qui va permettre que chaque monde ça même là présente envie présenter même pathologie mais le thème qui parle un peu différent ça c'est aspect médical là on prend aussi aspect pharmaceutique là depuis en l'an 2600 passé en l'an 1500 passé depuis en Chine et passé avec Pierre Galien qui c'est père de la pharmacie presque 200 ans avant Jésus-Christ. Tout médicament compte toujours subir des réglementations. Ça veut dire que tu as des papiers que mon a écrit formule que l'a exécuté à une pathologie. C'est-à-dire pas comme si pas de carrété, li fait ah dit bon c'est là et puis tout c'est comme ça. Non. Il te gagne un ensemble de réglementations à respecter pour que le capable dit que li gagne que li a produit un médicament pour une pathologie donnée. Ça veut dire depuis longtemps tu compte toujours dosé. Mais là ça c'est fabrication. Quand on a le prend traitement, on a le troisième aspect qui c'est traitement pathologie. Traitement pathologie, c'est que il est facile pour monde faire ça. Aller essayer prendre n'importe qui fait antibiotique et puis tout garder. Il dit pour tel et bactérie ou bien pour tel et parasite, mais ni c'est tant quantité de temps pour et c'est tel dosage. Pour telle quantité. Il varie en fonction de la pathologie à l'autre. Qui donc chaque pathologie gagne en durée de traitement. Gagne en durée de traitement et gagne en dosage qui accommodé avec lui. Oui, c'est vrai qu'on gagne des préventions. Des préventions qui qu'on fait. Mais même prévention, yo gagne temps, yo gagne en quantité de temps que yo fait avec lui. Et si n'a prend encore prend antibiothérapie, c'est que yo même arrivé là fait antibiogramme pour moun pour est-ce que vraiment que si bal tel antibiotique la marché. Kounye ou pral vini essayer comprendre. Les pays monte en bus et puis ou di m kon sa ke par rapport à tel symptôme mais tel et médicament que m prend ou déjà wè côté qui valait erreur déjà fait la donne. Parce que ou même ou pas connait vraiment ça me ressenti ça me pas senti, kon gen des symptômes qui peut-être semblent une à l'autre et pourtant pour gétan di m voilà mais ça déjà c'est une grave erreur. Premièrement, ni au niveau de consultation, ni au niveau de pathologie. Et puis, dans le thème tout, n'a dit un petit bagage encore. La donne. Guide médicament qu'on prend, on garantit à 100%. Et pas la vie ou seulement mettre en danger.
ou pas mettre la vie en danger seulement. Ou mettre la vie toute communauté ou bien tout monde là en danger. Comment m'expliquer ça? Là par exemple prendre un antibiotique. Par exemple ou pas prendre pour bactéria que Jean doit prendre là. Comment qu'on doit prendre là? C'est juste montrer que c'est juste entraîner, c'est un entraînement à faire avec bactéria pour dire comme ça que mes âmes que l'homme a utilisé contre ou mais ou même pour développer résistance ou avec pour que pas finavo pour que on détruire espèce humaine là puis bien et pour que pour que nous-mêmes pour que ou même on capable détruire par rapport avec lui-même pour que pas détruire par rapport avec lui-même. Par exemple, si on prend les bêta-lactamine par exemple et amoxicilline moi pour que l'autre côté on mande augmenter. Mais on prête sur amoxicilline plus acide clavulanique. Ça qui passe, c'est parce que grand PDC des bactéries, là on bal amoxicilline déjà qu'on comme amoxicilline va agir, il connaît va agir sur membrane nécessaire la gueule qu'on va agir sur lui, il dit non, on va réagir et bien obligé accompagner des acides clavulaniques qui pour permettre qu'elle pas défendre contre amoxicilline pour que amoxicilline capable détruire. Ça veut dire que tout ça c'est ça qui vient déboucher sur ça qu'on déclarer résistance bactérienne. Et de nos jours qui vraiment augmenté et si par exemple ou t'as tombé sur TikTok ou bien sur des réseaux sociaux comme ça on pourrait côté qui aborder c'est des faits antibiogramme côté quoi pour des bactéries qui résistent avec tout antibiotique qui au balai. Ça veut dire que là ça si nous on peut essayer imaginer si on joue bactéries ça a commencé à faire une pandémie dans le monde là, c'est que le monde là li a tout à fait par un kenzam pour lutter contre lui même gens par exemple avec coronavirus. Dans le cas de un traitement, est-ce qu'il exige pour me gagner un bon médecin et un bon pharmacien, ou du moins est-ce capable de gagner un médecin moyen, même un bon pharmacien, ou bien capable un bon médecin et puis pharmacien moyen? Qui ça, non, qui est notre 3 ou 4 formules ça, ou cap marcher plus bien pour un patient? Et bon, d'après moi-même, bah quoi une formule ça yo. Mba kwe yon nan formule sa yo a tout à fait bon parce que si par exemple mwen gwo mauvais médecin bien mwen t'ap même parler de équipe de équipe médicale. Si par exemple mwen ta gen yon même yon mauvais laboratoire par exemple qui pa bay de bon résultat, ça ka fausser ni médecin ni pharmacien. OK, si par exemple mwen pa gen un bon médecin qui pour poser de bons diagnostics, ça qu'a faussé ni la bonté toute équipe planète. Okay. Et comme ça tout, si moi gagne un mauvais pharmacien, ça capable en quelque sorte qui pas lancer des cris d'alerte à temps, ça capable permettre que nous passer beaucoup plus de temps, nous dépenser plus cob la donne. Moi pas croire que et ça c'est vraiment ni pour médecin ni pour médecin ni pour pharmacien. Parce que il y a des monde qui moi on connaît mon nèg n'a gon problème et li on pharmacien avant le médecin. Oui, ça c'est un aspect, ça c'est un aspect. Et parfois ça qu'on marche. Oui, ça c'est un aspect. Parfois ça qu'on marche et avant mon nan au médecin, tu que on pharmacien li met tel problème, expliquer problème là et puis pharmacien regarder. Et okay. Oui, tant que je dis ah oui. Bon, normalement c'est pharmacien qu'on médicament. Parce qu'il connaît plus que médecin. Il est vrai que médecin envoie le bali. Et c'est ça qui fait tout dans le processus de traitement. Ou toujours, ouais, si médecin pas un bon pharmacien, dans la chaîne, et ça qu'on, tant que Jean-Monsieur Horace dit là, ça qu'on retarde. Et ça qu'on même permettre que le patient dépense plus l'argent. Parce que le pharmacien va agir et comme ça doit pour permettre que le médecin atteigne l'objectif. C'est ça qui fait parfois. Mais qu'on a demandé pour qui ça, ou qu'on est dans un centre hospitalier, dans l'hôpital, et puis ou pas senti une coordination entre médecin lui-même avec pharmacien. Et ça fait pas problème d'avoir pu dire, il a changé le médicament, ça marche, il sait, ça veut dire, ça va marcher, demain au bon l'autre. Ou vous senti selon les secs ou y'a. Et est-ce que vous pas pensez lui tout à fait normal et même plus que normal pour ta gon synergie qui dégager entre médecin avec pharmacien? Oui, et ça t'est arrivé vraiment dans service social. Et dans samedi, il y a un patient qui vient et puis tu as céphalexine cloxacine plus d'autres. Mais une petite association céphalexine cloxacine parce que c'est eux qui t'ont causé problème. Non, samedi, il y a un céphalexine cloxacine. Il y a une prescription, c'est samedi. Lundi, il y a une crise épileptique.
crise épileptique. Médecin en tout qui chargé à qu'il a cherché un antécédent épileptique pour malade là. C'est les moins dit qu'être non. M'pas chier certain que médicament innocent. Et puis tout les mal gardé vraiment vrai, moi c'est valexin toxacidine épilepsie. Et dans samedi mon en venir dans consultation lundi c'est venir crise épileptique. Mon n'a pas grand qu'un antécédent épileptique, il pas grand qu'une cause d'épileptique. Il y a tout simplement suspend cefalexin et cloxacilline qui sont une interaction médicamenteuse, il y a suspend et puis ça finit. Oui, et il y a des gens qui consulter un pharmacien tout ça et puis tout. Oui, ça c'est un une forme d'automédication. Et pharmacien qui en cause là tout, si dans le cas où que cas dépassé la du clairement consulter un médecin. Mais si dans le cas où c'est un truc banal il a dit voilà, il interagit. Mais depuis qu'elle dépasse, il a toujours dit en quelque sorte considérer un médecin. Et ça fait tout qu'elle fait un interrogatoire avec elle. Moi-même ça t'est arrivé dans le cas où que maman est qui diabétique et puis elle me garder pied la pamphlet. Moi connais qui médicament que me t'a déballé. Mais bon bagaille, médicament que me t'a déballé a, il mérite une surveillance médicale. Li mérité comme si yon des résultats laboratoire. Lèke moi ça ba et c'est dans lundi qu'il t'a doué à l'ouais médecin, moi était obligé dire bébé, prends une graine, prends deux graines. Presque prends une jeudi et puis tu prends une demain CV. Et ça que m'assurer encore que mal l'hôpital là avec lundi que moi suivre traitement et moi assurer que tout moi je n'ai un résultat analyse de potassium de taux de potassium de taux et électro et de taux et minéraux qui n'en sont lieu pour que monsieur certain que médicament ça s'il continue prendre est-ce que vraiment que le pape agit sur lui et me t'ai chita par la médecin voilà et bien le thème pour nous t'ai sûr et certain que il cap prendre et que médecin comme moi nous t'ai travail de concert il était voyez là aller avec lui et vraiment mais toujours sous surveillance et ça qui fait que on pas fin croire que c'est une seulement qui ont pouvoir magique. C'est pas une seulement qui ont pouvoir magique la donne, mais c'est toute une équipe, c'est une bonne équipe qui vous permet que ça. C'est que si quelqu'un monde qui gagne une chance faire recherche sur net là pour ça et c'est que aux États-Unis c'est que ça t'est qu'on arrivé vraiment que mon a mouri là que nous dit retarder traitement, il faut faire plus dans l'hôpital tout ça et là que ouais ça même décédé mon a mouri tout ça. Et bien on vient dire bon et bien si dans le cas où c'est comme ça et bien on essaie pas questionner mon pharmacien et que les vient ouais que questionnement opposé pharmacien ouais et les résultats plus bénéfiques et bien tout à fait dire bien bon on englobe dans système là pour permettre que nous faire moins de dépenses et si on prend dans cas que me connaît dans cas que me connaît par exemple et tout patient ça par exemple juste à me battre là et puis un deuxième thème que me pas décider voyager sous casa. D'ailleurs c'est pas de ça le moins vraiment c'est moins de décider marcher et que me battre casa. Imaginez patient ça a fait semaine là avec des médicaments anti-épileptiques et puis en comprenant qu'il a traité une infection qui donc il a fait semaine dans l'hôpital avec plus médicaments et plus problèmes qui donc mais du fait que me déjà connaît que c'est tel bagage et bien il pas obligé faire semaine dans l'hôpital. Nous devons oublier de changer antibiothérapie pour lui. Et dans la même journée, on est obligé de retenir la caille. Qui donc, c'est ça qui fait que la participation de la pharmacie en dedans de l'équipe est tout à fait bénéfique vraiment pour patients, on va dire pour patients ou bien pour le système avec moins de monde là-dedans, avec moins de monde hospitalisé. Et qui sont pensé de machin cap vendre médicament dans la rien j'en connais yo prend un petit bouquet te mettez carton et puis yo marie médicament yo tout et y a fait journée dans soleil la veille li prend poussière li prend concentration bagay ki kembel dans tout est-ce que d'après vous ça pas ka agir sous effet médicament fait dans comme nan ou bien tout ça pas ka faire tourner un poison pour détruire moun ça qui va le consommer là. C'est que d'après tout ça que me connais de un médicament c'est que il y a pile étude qui fait par exemple pour la fête là avec étude qui fait presque étude qui fait pour fabrication et puis tout et absorption médicament dans organisme là toute étude dans de qui fait
m'a répété, toute étude de qui fait pour un médicament, li fait pour fabrication médicament, puis on connaît pour qui ça que le bon, pour qui ça que pour qui ça que le bon et qui interaction, qui indication, qui effet secondaire, certaines fois qui effet secondaire, qui effet indésirable. Et puis tout absorption médicament à l'intérieur de l'organisme. Mais pas sûr certain gagner en pile institution, pas sûr certain grand pile institution peut-être une ou deux qui étudier, pas sûr certain que aucun industrie pharmaceutique étudie un médicament dans soleil m'a pas venir et pas sûr que grand pile institution pharmaceutique aucun institution en pile institution pharmaceutique tout étudier un médicament dans condition ça qui donc y a garanti que ou gagne on grand garanti que gagne l'ordre médicament c'est que ou bon bail ou pas connait ou pas connait qui ça lié c'est parce qu'il marqué paracétamol vous dit c'est paracétamol lié moi crois que en pile dans nous faire chimie l'école tout ça ça dit que là ou pas en face des produits de dérivés parce que là on met les médicaments en condition en bas la pluie en bas soleil tout ça c'est que ou vient en face de ou met les médicaments en condition pour le faire des transformations chimiques. Et m'a rappelé ça c'est que le médicament expiré c'est une perte de 5 à 10% de principe actif que le gain. Qui ça perte de 5% à 10% de principe actif là qui gain. Ça dit gain 5% à 10% de principe actif ça qui détérioré et qui devient un autre produit dérivé. Que bien nous pas connait. Que nous pas connait et puis à partir de là on dit oui médicament ça il expiré. Et bien de même aussi tout les pays pour mettre médicament dans soleil ou bien tout ça c'est que ou contraint li à faire un changement que personne soit monde par contre qui changement que lié ça veut dire que ou pas besoin maintenant tout quoi pour penser là bon certaines fois que peut-être nous capable joindre un résultat vraiment peut-être si gain plus temps capable élaborer ça qui fait que mon a un résultat quand même mais le idem nous pas besoin maintenant tête nous comme si que ou prend tel médicament vraiment ou bien tout ou prend un bagage mon par contre ça prend vraiment monsieur Horace pharmacien de profession est-ce que tout le monde capable prendre médicament est-ce que c'est seulement monde qui malade qui capable prendre médicament et qui l'aime capable dire monde malade. Bon, premièrement, c'est que ça fait que OMS ou bien institution dit toute substance. C'est que il faut difficile pour monde pas prendre médicament. Et puis tout corriger, prévenir et même en vue d'établir un diagnostic. C'est que tout le monde arrive à prendre médicament mais tout le monde pas prendre même médicament. Il y a des monde qui prend des médicaments substitutifs par exemple monde qui prend yon multivitamine. Gen des moun tout qui prend yon médicament tout et substitutif, gen des de moun qui prend des de médicaments en termes de prévention. On prend le cas de yon bodybuilder. Un bodybuilder qui prend créatine. Créatine c'est que c'est un médicament. Vous comprenez? Qui prend fertone, qui prend ça c'est des médicaments que moun nan prend quand même. Ça veut dire que kit moun nan et pour permettre yon et pour une activité physiologique par exemple il y a un monde qui décide en quelque sorte il va faire une activité et puis il dit bon voilà faut me booster faut mettre bagage sur moi pour mal faire activité ça pour que me durer plus tout le monde ça honnête il prend médicament ça veut dire toujours gagner un médicament dans quelque sorte presque domaine qui gagne après c'est toujours gagner un médicament pour chaque grain de monde ça et si oui pour prendre gagner médicament pour monde qui malade gagner médicament tout pour monde qui besoin améliorer performance. Oui, gagner médicament. Comme ça pas malade, mais on faiblesse quand même. Oui. Mais pas oublier tout médicament. Est-ce que bon pose une question de préférence. Est-ce que tout médicament gagne un effet secondaire? Ou du moins c'est son l'impossible. L'impossible bon médicament pas gagne effet secondaire. L'impossible. Alors là si l'impossible pour et automatiquement pas malade et puis me prend médicament effet secondaire est-ce que la prendre moins malade ou dis moi c'est seulement malaise c'est capable pour que la caille effet secondaire yo qu'on pas causer comme malade qu'on pas causer comme malade effet secondaire en deux techniques à plus sur malaise. Donc plus les fois qu'on plus en malaise ça me rend malaise on te fait mal yon... oui yon somnolence. Nous sommes nos lances okay. Et tout ça. Nous comptons tout à fait ça.
Qui sont pensés de monde qui conduit suivant de ça médicament yo ba yo kon di lèm pran tel médicament li fè m vomi ou bien li bon tel bagay et malèjika ça ou bien que lèm pran ça l pa fè m bien du tout. Qui sont pensés de ka ça? Est-ce que gon façon et gon comprimé qui a la comme non selon Jean et organes li yo fè fonctionner? Oui, c'est possible. C'est possible et c'est ça que nous les effets secondaires et effets indésirables. Effets secondaires là qui touchent presque qui à 80% qui possible pour rejoindre et plutôt à presque 1 à 2% pour rejoindre effets indésirables. Par exemple, dans pile monde qu'on métronidazole, c'est pas tout le monde qui a métronidazole. Si que me parle avoir dit bon métronidazole là, allez me métronidazole là, fait me faire base dépend de pathologie qu'on gagne ou bien changer pour bon l'autre. Même si qu'il t'affiche. Même si que tu as piché ou bien changé le bout, si qu'on pas tolérer et métronidazole. Oui, effectivement, c'est que et peut-être ça même que toujours doit gon interrogatoire avec patient et même si famille habituée prend médicament ça, il y a un problème. Si famille habituée prend médicament ça, il y a un problème, c'est que ou obligé en quelque sorte questionner pour est-ce que lui-même tout le cas prend. Oui, c'est possible, c'est pas un comme si un bagage qui pas normal, c'est tout à fait normal et c'est ça que nous les effets secondaires et effets indésirables d'un médicament. Durée de vie en médicament. Les facultatifs. Mais parfois, nous, on a gardé une série de plaquettes médicaments pour sentir yo redaté, yo antidaté. Est-ce que ça va représenter un danger sur santé et patient? D'accord, comme nous là, c'est que et ou comme ça, dans le cas où on en partie, à 80% qu'on s'en prend, ma petite ça. Entre 60 à 80% qu'on ça reprend, reste 20% va qu'on s'allie. Reste 20% va qu'on s'allie. Par exemple, dans le cas où il aurait daté un médicament, si il aurait daté un médicament, c'est que effectivement il aurait perdu 10% de principe actif, ou bien 5 à 10% de principe actif. Et pas tant qu'on mousse aux abocats ou mousse aux apôtres ou couper. Ou couper la dieu qui a perdu 30 à 40% de tout manger les abocats. Médicament est beaucoup plus sensible que ça. Beaucoup plus sensible que ça, par exemple, les mona, par exemple, yo dit expirer. Tout expirer dans des médicaments expirer, c'est parce qu'il perd 5 à 10% de principe actif. 5 à 10% de principe actif. Et dépend qu'elle varie de un type de médicament à l'autre. Par exemple, un médicament cancer et bon médicament, un médicament anti-cancer et par exemple, un médicament chimiothérapeutique. Là, même là qu'elle dégage 11 jours après date d'expiration, il va conseiller au prendre. Parce que c'est des médicaments à fenêtre thérapeutique liés. C'est les doigts fenêtre thérapeutique on ti calpi haut c'est la mort on ti calpi bas m'ba réussi traitement c'est-à-dire pas j'aime prendre un risque là avec un médicament un médicament chimiothérapeutique comme ça et pas j'aime prendre ça mais gien l'autre certaines fois tout monde gien l'autre catégorie médicament parce que m'a parlé en fonction de na vivre dans communauté a gien l'autre médicament tu yo jouer sous lit tout et yo fait yo barre tout et que nous pas découvrir des grands problèmes catastrophiques la donne nous pas découvrir parce qu'il pas fait qu'une recherche nous pas fait qu'une recherche là nous pas découvrir aucun problème catastrophique la donne mais en tout les quand même les mettre la vie patient en danger quand même. Est-ce que lui bon pour yon compagnie pharmaceutique t'a priorisé question économique dans cadre production médicaments? Si t'as par exemple coronavirus qui se fait ravage dans monde là et puis gagne des compagnies comme Pfizer comme qui l'autre encore et qui sorti avec une série de vaccins et puis malgré le vaccin ou pas porté fruit mais ça pas empêcher yo continuer voyer yo dans série de l'autre pays. Est-ce que ça pas ta mérité pour OMS ta essayer font réguler question ça? Mais papi OMS m'a menti et il pas seulement subventionné par l'État non, par pays non. On pas oublier qu'il y a des grandes institutions décider cap financer tout. Ça dit mettre OMS sous bas là c'est que et lui ont dit mais c'est lui-même qui sont ces organisations mondiales la santé. Donc on pense lui doit bon on suit sur toute sa cap. Bon, on essaie répondre question peut-être en chant que peut-être OMS mais c'est un nom qui est en définir.
tout norme qui ont et dans toute norme que industrie pharmaceutique doit respecter, c'est que norme n'a connaît tout, faut qu'il fait profit, faut que industrie pharmaceutique la fait profit malgré danger. Ça ca représente, c'est pas malgré danger, moi dis norme n'a il régule un ensemble de bonnes pratiques que mon que industrie pharmaceutique la li doit respecter. Il dit bon voilà, faut qu'on bon pratique, faut qu'on bon assainissement, faut qu'on bon professionnel, faut qu'on bon matière première, faut que tout baille en fait dans l'autre, faut qu'il pas des médicaments contaminés, faut qu'il pas ça. Mais tous les chita sont d'essayer des méthodes tout qui permettent que gain moins et gain plus innovation avec moins dépenses qui fait. Mais dans les cas où de ça, oui, et quand il y a des déficits comme ça qui fait. On a des déficits comme ça qui fait, gain d'essayer des médicaments que il y a qu'on sorti et puis tout qui rentre. Et là que me dit ça, ça veut dire que après qu'on finit dépenser plus de 800 millions de dollars, c'est que pour un médicament sorti, quel que soit médicament qu'il y a, c'est que vous gagnez 800 millions de dollars, que entre 600 à 800 millions de dollars qu'on dépense sur un espace de 10 ans pour qu'on sorti médicament. Oui, et après le fin sorti, on connaît rentrer. Gagne un célèbre médicament que en France qui était sorti pour arthrose mais qui rentré à cause de l'autre problème que le chita bay moun qui li rentre. Oui, et norme yo kon obligé pas faire ça. Et certaines fois yo kon pas respecter norme yo tout, certaines fois kon obligé kon couper dans norme yo tout, certaines fois pour certaines pathologies. Bon, après ça arrêter l'autre gros question yo, que l'autre gros question par rapport à OMS sur ça, que nous même nous pouvons pas répondre, nous pas en mesure pour nous répondre. Comment pour pouvoir capable répondre une question OMS là, mais nous essayer toucher MSPP, parce que si n'a pas les de médicaments, nous est pharmacien, nous est médecin et puis nous est patient, mais espace de conservation, hein, espace d'entreposage là qui c'est pharmacie yo, que les pharmacies ou du moins que les médicaments qui demandent pour conserver à telle ou telle température, et voilà que il y a des pharmacies qui pas un réfrigérateur et qui vendent toute qualité maladie et médicaments. Et me songe gon monde que me connaît Maurice qui était gon clou piquel, et puis il était prescrit yon SAT. SAT. Ouais, et puis il prend à chaud madame Mamoui. Est-ce que qu'il y a la MSPP pas la supposé et font garder question ça pour c'est parce que vous faites pharmacie là-dedans. MSPP est une institution là-dedans qui c'est DPMMT qui c'est département pharmaceutique médicamenteux et puis tout et médecine traditionnelle DPMMT qui régule tout ça. Mais le problème c'est que DPMMT c'est une institution normative. C'est une institution normative et le migué des projets de loi tout que qui pas voter pour lui, malgré qu'il soumette déjà qui pas voter. Mais malgré ça, il soumette des séries de exigences. Et par exemple pour une pharmacie et même dans la peinture, même dans la qualité sol, même dans la quantité d'espace, même dans la température, tout ça les exige un certain nombre. C'est-à-dire que le problème c'est que c'est faute la partie d'affaires avec DPMMT, mais aussi et faute la un peu partagé. Oui, c'est que un ensemble de réglementations que lui exiger et que pour les cas délivrer une licence, il m'a dit un pharmacien aussi, il gagne un ensemble d'exigences que lui mandé. Mais aussi n'a pas de conservation médicaments, c'est que conservation médicaments, chaque médicament conservé à un certain nombre de température. Gain qui conserve à entre 30 et 30 degrés et entre 30 degrés et puis tout et à 20 degrés ou bien 25 degrés maximum, mais gain tout qui conserve à une température de entre 2 et 8 degrés et gain tout qui conserve à une température plus bas que ça. Et gain médicaments réfrigérés, gain médicaments tout qui médicaments congelés que nous pas tout à fait joindre facile. Médicaments congelés pas tout à fait joindre facile. Et médicaments réfrigérés là, c'est un médicament qui mandé à ce que pendant toute chaîne de transport, pendant toute chaîne là pour réfrigérer. Pour réfrigérer, c'est qui pas mandé pour y couper chaîne de froid.
chaîne de foie capable de couper tout simplement par patient. Ça veut dire? Ça veut dire que le laboratoire qui a fait là lui-même, il a fabriqué là, il fait là en température de 15 degrés. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer, vous connaissez une salle qui a 20 degrés, comment qu'elle fret, température de fabrication de 15 degrés. Aussitôt qu'elle finit faire, il a conservé là en température entre 2 et 8 degrés Celsius. Il l'a conservé entre 2 et 8 degrés Celsius. Transport médicaments encore tout, il est fait dans des thermos, par exemple, pour essayer des médicaments, tant qu'oxytocine et oxytocine, SAT, insuline, vaccin. Transport médicaments, ça aussi, il est fait et dans des compartiments réfrigérés. Des petits compartiments réfrigérés, il doit utiliser des séries de briques, il met beaucoup de médicaments dans des séries de boîtes et puis il fait transport. Et comme ça tout bon et puis tout d'autres méthodes conventionnelles par exemple si c'est ou même entre que passe qui vient derrière fort ou gen doit venir en thermos et puis tout on go chercher de l'eau fait glace ou mettez le bon côté ou venir avec bon quand même c'est des méthodes conventionnelles et tout pour acheminer prendre des agences là pour déboire de gain doit en côté réfrigérer encore pour le conserver et encore tout pour acheminer vers pharmacien encore tout qui doit faire respecter même bah ça encore tout pour que le pas couper chaîne deux fois pour que le toujours pour le un bagage réfrigéré et pour le mettre dans et pour mettre dans réfrigérateur que le gagne réfrigérateur à tout de respecter certaines limites par exemple on pourrait gagner des séries des bagages qu'on disait plutôt des thermostats qui sont réfrigérateurs vraiment mais qui tout à fait gagnent Il y a un bar qui réglementé pour l'apprêter à telle température. Ça veut dire qu'il pleut, qu'il tourne, il doit être à telle température, bien à telle fourchette de température. Si vous mettez la moins 4 degrés ou bien mettez la moins 2 degrés, ça veut dire qu'il pleut, qu'il tourne, il part depuis le gain énergie, si c'est pas énergie à couper, il va devoir descendre vers moins 5 degrés pour aller. Et même si que bagay, même si que chalet va venir du moins, je dis à monter à 1 degré. S'il monte à 1 degré, ça veut dire que il est en panne. Ça dit que qui toujours à vérifier de ça et plutôt qui prend par exemple vers acheminer vers pharmacie même là encore acheminer vers pharmacie il y a un système encore de réglementation il y a un contrôle que toujours fait il y a une routine il y a un monde qui doit là chaque matin et chaque soir qui pourra le prélever mais prélever température que le qui est affiché ni dans salle pharmaceutique là ni dans réfrigérateur pour dire voilà mais tel degré ainsi de suite comme ça des fiches documentation ça yo doit toujours là et ça fait que les on parler de gestion stock tout ça fait partie de gestion stock et gestion d'information dans gestion stock gain gestion d'information ça dit que tout ensemble de principes ça yo doit respecter pour que moun li assurer que insuline qu'elle te gain le 13 là ou bien le 2A qui est toujours bien médicament réfrigérateur toujours dans réfrigérateur à bonne température et jusqu'à ce que pour acheminer vers patient. Gay des séries de légèreté qu'on a qui viennent bagaille. C'est des séries de médicaments malgré que réfrigéré mais qui ca fait un mois dans milieu ambiant. Par exemple oxytocine ca fait un mois dans milieu ambiant dans milieu où est-ce qu'il pas réfrigéré et que en pile monde confond là-dessus. C'est comme si que et c'est toute ville qui a fait sans pas réfrigérer. Non, c'est pas toute ville qui a fait sans pas réfrigérer, c'est un mois. Comment expliquer ça? Par exemple, je vais donner un conseil social, c'est que médicament si que dans frigidaire côté lié côté là, si que par exemple moi pas là et que par exemple mon a vini, les en pharmacie de vini, c'est pas ça le faciliter, les faciliter comme si que me mettre une ou deux oxytocine dans salle d'accouchement pour permettre que les en pharmacie de vini et que le capable joindre. Et le cas où pour le service, c'est que par exemple, pour être obligé, c'est laisser pour aller à la pharmacie pour aller à l'oxytocine dans le ça, c'est une base, c'est que il y a des séries de médicaments réfrigérés vraiment vrais qui permettent que le cas et prendre un mois. Là, nous dit couper chaîne deux fois, c'est que, mais dans ce sens, c'est que même insuline, ça va me dire, il y a seul moi-même en tant que patient qui a décidé de prendre insuline, ça, puis d'être pas mettre dans la glace, mal la caille, moi, avec, et puis de mouver la caille, moi, mettre dans la glace. Et ça, on le couper chaîne deux fois. C'est seul patient qui doit, en quelque sorte, bon, qui doit font les jeter, il couper chaîne deux fois lui-même, après ça, il dit, bon, il n'y a pas de problème, je mettre dans la glace, la caille, moi. Mais il n'est pas autorisé comme si pour quelqu'un l'autre monde dans secteur et qui va répéter un médicament ou l'autre pour te couper chaîne deux fois. Et sur même point ça, est-ce que pas gon yon
et bay chimique yon produit chimique que vous mettez dans médicament pour conserver yo, et que même produit chimique ça lui même arrivé à un certain moment li ka faire effet secondaire sur santé moun nan. OK, premièrement c'est que yon médicament conservé de li constitué de principes actifs et de excipients. Mais une exigence que yon fait excipient c'est que li doué par un ken effet, il doit par un ken effet ni sous principe actif là ni sous patient, il pas de grand ken effet sur lui et il pas de grand ken effet innocuité des principes actifs là et c'est ça qui fait tout que détermine date d'expiration pour ma et médicament parce que à partir de telle date ça yo sûr certain que toute molécule a respecté conditions que te baio a bien conditions que te pour que même yo rete pour que yo conditions te baio pour yo toujours été dans condition c'est à partir au-delà de li yo commencer dire pas responsable aussi et certain que gain qui va commencer par interagir nous constater au même médicament il capable venir sous plusieurs formes gain qui vient en comprimé gain qui vient en sirop et gen patient même qui do li pa ka prendre comme ça li pa ka prendre soit en sirop ou bien pa ka prendre en comprimé est-ce que ça gagne en différence sur qualité traitement madame m'avait la question honnête gen qui connait venir en comprimé en sirop en injection et gen qui connait venir en seulement injection qui pas disponible en comprimé gen connait venir en forme topique seulement à usage externe seulement qui pas ni comprimé ni injection. Première barrière qui gagne c'est que gagne barrière et première barrière qui gagne qui fait que gagne plusieurs formes là. Première barrière là c'est absorption médicament. Absorption médicament. Les absorption médicament gagne médicament par exemple insuline. Par exemple c'est des médicaments qui protéines qui c'est des protéines pas bien d'abdou qui c'est des médicaments qui origine animal. Par exemple SAT qui c'est sirop antitétanique que yo prend dans cheval et qui c'est des protéines et qui pas forcément disait chaque temps aucun bon cheval yo prend mais origine te gain c'est que c'est à partir de sirop physiologique cheval il pas forcément tout le temps c'est un cheval aucun bon prend et gain qui gain des barrières c'est que protéines ça le plus souvent depuis yo prend traverser et estomac c'est que acidité estomac a détruit pour cela médicament c'est qu'on toujours en injection gain tout c'est passer ou pas passer soit que il y a tellement beaucoup de monsieur passer estomac ou il pas passer tout simplement disponible soit sous forme topique ou bien sous forme injection non, les formes topiques forme topique ça veut dire à usage externe donc pommade crème savon OK gain tout c'est rentrer dans son il pas tout bon pour vous. C'est de l'oxycité à assez haut, il pas du tout bon pour vous et il tout seulement à usage topique ou bien à usage externe. Gain qui tout seulement savon crème, lotion tout ça. Gain tout qui seulement sous forme et comprimé ou bien sous forme et voie orale péros ou bien et parentéral que ou capable utiliser. Vous avez dit, par exemple, je ne sais pas quoi qu'il facile pour mon dazim, je n'ai pas amoxicilline injection. Ok? Mais quand on a une autre question pour la question, c'est pour qui ça a comprimé avec sirop. Comprimé avec sirop, c'est que c'est. Comprimé, il parle de dosage. Et puis tout sirop, il parle de concentration. Sirop, il confère une certaine liberté pour capable administrer une quantité de médicaments à un patient donné. Par exemple, si il y a différents timoun à deux là différents, il permet que me capable et ba chaque timoun ça au quantité médicaments que me ta avli ka bon pour chaque là. Mais aussi comprimé à lui-même li certaines fois pas conseillé pour couper tout ça, c'est-à-dire ça fait rigide, s'il 100 mg ni 100 mg, s'il 200 mg, il est à faire concerné à un patient donné. Mais tout dans même question dans tout, c'est que oui, effectivement, il y a des gens qui préfèrent sirop. Parce que sirop est plus facile pour bre. Et comme ça, il y a des gens qui préfèrent aussi comprimé. Parce que le bre est fini. Moi, il y a des gens qui préfèrent même injection de préférence. Que les deux sont finis pour appliquer à l'infini. Oui, il y a tout ça.
eh bien c'est peut-être ça aussi qu'il y a différentes formes ça qu'on de manière industrielle, de qu'on a des raisons industrielles, qu'on a des raisons aussi et pharmaceutique et aussi qu'on a des raisons aussi pour patient. Un patient gériatrique ou un patient à qui dans l'âge avancé a toujours préféré en quelque sorte capable préférer quel boisson sirop qui comprimé. Comprenez? Dans ce cas ou si médicament sous forme sirop ou balis sirop plutôt. Est-ce que lui toujours représente un danger pour un pharmacien accepter pour dire qu'on monde des médicaments sans prescription? Mais non, car tout monde n'a pas gon extrême urgence, il pas gétan un médecin pour délivrer une prescription et il river en façon pharmacien, faut qu'il vienne un médicament qui pour soulager, il pas avoir problème ni gain. Est-ce que il y a des pays que me connaît qui pas accepter ça du tout sans prescription, pas de médicament? Est-ce que il représente un danger pour un pays côté que le cap prodigué et yon malade des médicaments sans li pa gagner yon prescription? Et gede jou ka aide moun, gede maladie krive sou ka aide, gede se l'autre moun dou pa ka aide. Ou pa ka aide tout dépend des problèmes moun nan gen. Oui, dépend des problèmes moun nan gen, yon ka aide, gen pa ka aide. Gen ou pa ka aide, ke ou pa ka aide. Par exception, moun vini avec un problème estomac. Li 10h du soir et que moun a dit "Wow, l'estomac m'a brûlé, c'est là." Bon, mwen gen mebrazol la lavre, mwen gen piki avre, tout ça, ba ça bon. Et que mwen ka fè injection pou m'oblije edo. Mais c'est fait façon que m'aide ou. Donc par exemple, yon moun ki vini avec on l'autre pathologie que monsieur certain s'il pas l'hôpital, il pas bon pour lui. M pa ka andre tem pa prendre un risque pour me dire bon voilà m'a pedo, gen des pathologies tant que mon confrère peut-être qui décédé par exemple, les dit m'a pour avec l'hôpital, mais tout l'hôpital de dans passé en Haïti, de gen trop petit pour lui. T'es dans trois petits boulis. Ça veut dire, imagine un monde qui a une côte ou de guetter qu'on bat le jour par un café. Par exemple, ok, yon moun pe ki gon troub mantou. Est-ce que m'gal pren le risque que peut-être m'on konnen kote ko gen troub mantou, et peut-être ça m'gal bo de médicaments comme ça. Et pourtant, ou gretan commencer à suivre médecin. M'ba ka pral laisser faire ça comme ça. Mais si par exemple, yon moun, un patient qui est diabétique. Yon patient qui est diabétique, par exemple, m'de disposer de glucomètre moins là, moins sûr certain, c'est cyclique baissé. Là, m'capable faire pour lui. C'est cyclique baissé, mais si c'est cyclique monté, est-ce que m'capable le risque? M'va dire comme ça à vini. Malgré m'connais pour procéder à. S'il y a un médicament li ka prend bien, s'il par exemple, m'ka essayer, mais c'est tout à fait conseillé aller vite à l'hôpital. C'est à l'hôpital et c'est si ouais médecin m'baka et si par OK si par exemple m'va laisser qu'un patient ça est tout patient ça gétan font acide cétose et dans font acide cétose il y a même qui pral prendre en charge donc va dire ah non et ça qui fait que m'te dit ça déjà lui toujours chita de interrogatoire les on patient vinn côté un personnel de santé c'est un interrogatoire qu'il fait ensemble avec lui lui poser des questions et que vous cap comprendre que ça pour faire si c'est pas grave, si c'est dit l'abdil en quelque sorte, allez au médecin quand même pour vérifier ou bien exigiblement pour aller au médecin. Et c'est tout, on était au gâteau en bas, c'est que lié. Nous arrivons vers fin émission, on a appelé les amis nous qui nous recevons matin dans l'espace invité dans le cadre émission Café au lait et bien pharmacien Horace Sevensky. Monsieur Horace, m'a pas dit dernière question mais c'est peut-être avant dernière question hein. Est-ce que de nos jours nous capable dit nous capable venir ça reler un panacée un médicament universel quel que soit problème ou ta gagne hein, ou ka un médicament comme ça qui capable soulager ou si oui on va dire donc qui est lié sinon les amis a tout connaître tout pas pour pas prendre ça là mais quel que soit monde qui vous a dit ça bon pour toute maladie parce que de nos jours en Haïti
gon moun nan sem bourette et puis là l'abdou salap vann pour qui quantité maladie le bon ça est malade ou dit vraiment gè les panacées toujours exister mais je ne veux dire ma façon professionnelle d'arrêt mais connait est-ce que gon médicament qui gen caractéristique ça et puis soit dit avec jeune nous venez vous dire parfois qui gon problème d'orientation est-ce que t'as conseillé ou est plus moun nan secteur pour là qui c'est question pharmaceutique non mais répondre que même de l'eau pas efficace tout temps même de l'eau pas efficace tout temps ça veut dire que il est difficile que par exemple de l'eau regarder même de l'eau pas efficace tout temps par exemple mon qui t'en bader comme qui t'en fait combien jours al balou regarder mourir ça veut dire de l'eau pas efficace tout temps ça veut dire que pathologie en pile de nos jours nous pas en phase de 5 ou bien 6 ou bien 7 pathologies. Nous en face des milliers de pathologies. Et pour cela, nous sommes obligés de gagner des milliers de spécialistes. Alors, il y a une cause qui fait certaines fois que yon plante ou bien yon bay kon bo pour diverses qualités de maladies ou plusieurs maladies. Parce que faut pas ignorer que Tramil qui a fait des travaux sur ça. Et gen plante médicinal tout gen et Marie Rousier qui écrit plante médicinal et gen beaucoup d'autres livres encore tout qui écrit sous plante médicinal et que plante médicinal yo vraiment yo compte bon pour 2 3 ou bien 4 pathologies mais ça qui compte conférer c'est à cause de constituant c'est que yo gen des alcaloïdes et des terpènes yo compte pas gon seul yo compte pas gon seul et du fait que yo gen plusieurs alcaloïdes et plusieurs terpènes et ça qu'on confère vraiment efficacité que gain pour plusieurs maladies mais tout gain des et ça fait que soit les livres ça y a marqué indication et usage même là que gain indication mais dans communauté plante ça y a li compte toujours gain on barre que utiliser pas si me pas mentir qu'on essaie faire quoi Congo pour pas faire mal ça qu'on voulait dire que pour ça des fois qu'on a regardé indication recherche faire sur plante là déjà usage fait de l'IA au parc j'aime qu'à découvrir vraiment efficacité li gain pour pathologie ça mais yo toujours utiliser le yo toujours utiliser là-dessus et m'a prendre encore pour même premier exemple que me prend aspirine c'est une bail parce c'est une énumérer li bon pour douleur li bon pour fièvre li bon pour inflammation anti-agrégant plaquettaire et anti-agrégant plaquettaire ça veut dire que si n'd'a contrôler et même gagne des préventions aussi qu'il fait ça veut dire effectivement qu'on gagne des pathologies qu'on gagne des médicaments qui résout plusieurs problèmes vraiment mais nous pas jamais arriver dans niveau pas n'a pas assez nous pas jamais arriver dans niveau pas n'a pas assez et vous n'aimerais pas croire qu'il est possible pour m'arrêter nos médicaments qui a traité 100 maladies ou bien non 50 maladies de référence pas quoi pour d'avoir une question est-ce que pas gain médicament tout à partir de aliments ou prend non li pas ca détruire effet li ta de faire ou bien il ta éliminer et comprimer ou prend tant que jeune qu'on ouais gain quelques et produit qu'on mélanger ensemble yo qu'on dit de pour prendre ça avec tel bagaille la botte le bagaille ou bien la touyo ou bien la fort la botte des effets secondaires est-ce que ça pas qu'arriver ou prendre un médicament qui bon pour quoi et puis vu avec alimentation il détruit et comprimer ça encore oui et ça relé incompatible et ça relé interaction médicamenteuse et incompatibilité médicamenteuse et par exemple incompatibilité médicamenteuse ça c'est 2 et demi deux façons que en seule façon que cap bail avec eux depuis eux dans même ça depuis eux rencontrer à goumer quand même c'est 2 et demi une seule façon que cap bail avec eux c'est seulement si ou recevoir une dans matin ou recevoir l'autre là après-midi ou bien tout recevoir une n'importe ça ou recevoir l'autre là n'importe ça mais ça relève incompatibilité depuis eux rencontrer à goumer par exemple l'état citron ça veut dire ça c'est un exemple de incompatibilité médicamenteuse et gain entre les interactions médicamenteuses oui c'est possible par exemple eux tout prend faire on monde qui tout prend faire ah mon chef on prend faire le matin et tout qui habitue de prendre chaque matin ou prend un petit café avec faire là et bien café a dit mon cher moi me fait pas présent mais ouais m'a avoir vraiment vrai mais nous ou pas capable absorber je pour absorber d'empêcher faire absorption que tu as de faire
Donc, par exemple, si nous avons des CD antibiotiques, antibiotiques, il y a des antibiotiques qui paraissent l'huile. Si vous prenez avec l'huile, c'est un effet inductif ou pas joindre. Souvent avec lui, c'est un effet éductif qu'on va jouer. C'est-à-dire que, oui, effectivement, dans l'interaction médicamenteuse, il y a une interaction médicament-médicament, il y a une interaction médicament-aliment, il y a plusieurs types de plusieurs types d'interactions qui peuvent exister entre chaque produit. Mais toujours sous même question, est-ce que les médicaments ça lui-même, est-ce que c'est et tout effet secondaire te gagne, est-ce que détruit ou bien il transforme dans l'autre et composition chimique pour font l'autre et effet dans tant qu'on dit tout content de dire par contre si c'est vrai il est ou mettez l'être dans cassant c'est comme si tu bois de l'eau axel est-ce que médicament ça immédiatement fin prendre avec un aliment qui pas allé avec lui est-ce que c'est composé en l'autre et aspect chimique dans ou ils font l'autre et effet ou bien tout c'est des tuiles nettes qui pas fait aucun effet il varie et en bas c'est des sciences on pas besoin à vous monter là-dessus mais des sciences qui commencent pas étudier il commençait pas étudier et c'est pas menti qui même permettre qui fait des avancées au niveau de cuisine au niveau des chefs tout ça mes chefs cuisiniers qui permettent que yo connaît tout qui médica qui mange me permet tellement manger pour augmenter goût à par rapport à structure chimique yo mais tout et qui ça me mettre ensemble tout oui effectivement gain des aliments et des substances soumettre là avec un lot Ils étaient à faire et transformer en autre catégorie vraiment et qui vraiment néfaste pour il est vraiment néfaste pour par exemple si vous t'as pas mélangé un médicament qui est acide par exemple un aliment qui est acide avec un aliment qui est basique ou déjà connaît que vous avez une formation de sel qui va le faire et sel ça qu'on ne pas connaît qui ça que le balier m'a rappelé pour vous c'est que il y a beaucoup d'études qui fait qui dit ça mais ça lié mais pas grand pile étude qui dit mais ça le devenu en contact de ça ça veut dire de vous parler faire interaction ça veut dire que ou rentrer dans le monde pour connaître ça lié et oui gain interaction avec lui mais cette fois c'est pas éliminer qu'on éliminer tout c'est pas éliminer qu'on éliminer c'est pas ni effet secondaire qu'on éliminer des fois il qu'on gain qu'on augmenter exactement moi comprendre incompatibilité comme deux ennemis mais interaction médicamenteuse ça c'est deux monde y a gagne deux bons amis y a gagne deux bons ennemis y a gagne deux petits monde y a gagne deux grands monde m'a psychologie très bien gagne yo deux alors mettez ensemble yo augmenter effet gagne tout leur mettez ensemble yo diminuer effet gagne tout leur mettez ensemble tout yo tout à fait al détruire un organe ensemble. Ok, par exemple, et ça me d'apprend, c'est par exemple du sclérose en plaques, il tout à fait le débouchon on pathologie pas là. Mais en deuxième terme, au lieu de faire avec la sclérose en plaques, mettre tête ensemble pour détruire et pathologie, non, mettre tête ensemble pour déboucher sur une maladie. Et pourtant, l'oral prend aussi une puissance de la vilanique qui c'est deux médicaments, ils interagissent entre eux, qui ça va faire, il y a le potentialiser effet antibiotique antibiotique là. Et comme si ils algoumer ensemble puis bien. Ça veut dire que oui, effet interaction médicamenteuse lui-même n'est plus large que incompatibilité médicamenteuse. On a fini avec question ça monsieur Horace. Nous connaissons nous arrivé dans période là, il fait ce bas résultat baccalauréat malgré résultat désastreux. Mais ça va empêcher et une minorité qui réussit à t'as souhaité quand même faire une étude avancée. Et si toutefois qu'on jeune capitaine de là t'as souhaité venir au pharmacien et qui ça pour le faire pour le capable emporter voir ça et combien de temps ça dure. Premièrement c'est que moi en Haïti il y a deux côtés au après mon pharmacie deux côtés qui c'est université et d'état d'Haïti qui c'est avec Notre-Dame Université Notre-Dame. Et après ça, tout l'autre côté, il y a la pharmacologie, il y a la pharmacie. Et je pense que c'est certain que soit le côté ça, on a bien connaissance en biologie, en chimie, en biochimie, en pharmacologie. Je vais mettre des pharmacologistes après. Et en galénique. Toute connaissance suffisante ça pour que tu sois capable de venir en pharmacie. Ça veut dire qu'il y a deux côtés seulement capable de diriger des tout, que tout simplement l'Université d'État d'Haïti. Et puis, et Notre-Dame.
C'est des deux côtés ça. Parcours d'études là jusqu'à maintenant, entre 5 ans et 6 ans en Haïti, c'est que pour faculté de médecine c'est 4 ans et puis on a le service social et puis pour faculté Notre-Dame bah, c'est qui 6 ans. Qui 6 ans en ce sens. On fait différence pour jeunes et en tant pharmacologie et pharmacie. Bon, et ça qui est écrit sur papier pharmacologie, c'est un médecin qui décide faire une étude pharmacologique. Et ça qui est écrit sur papier. Mais ça que nous ouais, c'est que il y aurait les aides pharmaciens pharmacologie, il y aurait des cours de pharmacologie, il y aurait les décès, ça qui est dans notre pays, il y aurait les aides pharmaciens ou bien les préparateurs, tout ça, parce qu'il y aurait le conseil tout préparateur, tout ça, au lieu que il y aurait les gens ça au lieu que il y aurait les gens ça et préparateurs, nous même nous relayer soit pharmacologue ou bien et aide pharmacien, mais en réalité qui vraiment controverse parce que si qui était vraiment les pas tout à fait attribuer ça. Merci tout le monde, nous sommes contents pour nous là, pour nous capable de présenter la 4e édition Café au lait espace invité. Maintenant nous recevons le pharmacien Horace Sevensky qui t'a parlé nous de danger médicaments, façon pour prendre et qui façon pour prendre pour plus bon pour vous, parce que une façon capable pour médicaments li capable utile constate qu'on fasse son capable prendre li capable au lieu le bail la vie c'est détruire li détruit la vie. Monsieur Horace, encore une fois n'a pas de merci et c'est un plaisir pour te recevoir la matin. Bon, merci en pile et nous dit bon Dieu merci encore une fois tout parce qu'il permet que nous là et la vie son grâce la vie son grâce et moi et moi merci nous tout qui permet que nous capable nous capable passer moment ça ensemble. Très bien. Donc, Tabdou, c'est toute l'équipe là qui était à pied d'œuvre matin pour te rendre édition ça possible. Yves Nakola, Wensley Louis, Dr. Yves Boissonnier, nous-mêmes, nous sommes dans le micro. Et moi-même, Zami Paula, Yves Lissounois, et nous sommes ensemble avec nous. Edline Vital. Rendez-vous demain, si mon Dieu vous donne la vie. Proche Cafouille, le mélange entre l'information, d'ici d'ailleurs, le savoir-faire et dire, culture, consultation, doléances, politique, débat, micro ouvert, une bonne tasse de café au lait le matin pour se réveiller. Cela aide à réduire la pression, remonte le moral et permet de se détendre. Savourez chaque matin du lundi au vendredi de 7h à 10h.